quel point vous êtes fort et courageux, comme moi. Réussissez, et vous pourrez ainsi combattre le mal à mes côtés. Tu trouves peut-être qu'on n'en a pas encore assez fait? Quoi? Je n'entends rien! Je disais, tu trouves peut-être qu'on n'en a... Je n'entends rien du tout! On verra ça plus tard! Plus tard? On sera peut-être déjà mort! Hein? Allez, viens, Clank, on s'arrache. Salut, Mekai!
vous arriverez toujours à me surprendre, vous deux. Placez-vous au centre du cercle des héros, et je vous donnerai enfin ce que vous méritez. Ratchet, ce n'est pas le moment d'être méfiant. Nous avons atteint notre objectif. Ouais, je sais pas. Ça flaire l'embrouille à plein nez par ici. Écoute ton petit ami métallique, Ratchet. Il ne tient qu'à toi de changer ton destin. Bah, c'est juste qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Ça suffit. Quark va nous aider à arrêter le président Drake. Eh bien, merci, Clark. Tu m'as fourni une aide très précieuse. Ah non! Mais pousse-toi de là, pauvre imbécile! J'adore voir mes plans aboutir. Que voulez-vous dire? Mais qu'est-ce que tu crois, boîte à boulons sans cervelle? Il n'est pas là pour nous aider! Il va nous tuer! Tu piges vite, dis-moi! Mais il y a juste une petite erreur dans ton analyse. Ce n'est pas moi qui vais vous tuer. Ah bon? Non, c'est lui! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ce n'est pourtant pas si difficile à comprendre. Je suis le nouveau porte-parole officiel de Drake. Et il n'est pas question que vous compromettiez mon retour. J'ai pas dit mon dernier mot, Quark. Non. Mais ça ne saurait tarder. Je me demande à quoi sert cet info-robot. Bah, il est peut-être là pour te remplacer. Nous sommes coincés! Nous sommes coincés! Les vaisseaux bombardent notre position depuis les airs! Là, on l'a échappé belle, hein! Nous avons besoin d'aide! Vite! En fait, j'ai besoin d'aide!
Tout mon bataillon a déserté et m'a laissé tout seul au combat. Si l'ennemi ne tue pas ses gars, je m'en chargerai. Je ne vais plus dire que longtemps. Je demande de l'aide immédiatement. Terminé. Les vaisseaux de Drake sont en train de détruire la planète. Il faut aider ce commando. Ouais, j'espère que tu plaisantes. J'en ai marre, je me casse. Capitaine Quark va regretter de m'avoir cherché les poux dans la tête. Il n'est maintenant plus question du Capitaine Quark. La vie d'innocent est en jeu. Ah ouais? Eh ben j'en ai ras la casquette de jouer les héros. J'ai pas que ça à faire, moi. Ratchet, ça ne te ressemble pas. Mais qu'est-ce que t'en sais après tout, hein? T'as passé tout ton temps à chercher Quark. T'es loin de me connaître, mon petit gars. Je sais que tu feras le bon choix. Eh ben pour l'instant, tout ce que je veux, tu vois, c'est trouver Quark. C'est pas vrai, comment ça marche ce truc débile? Aurais-tu oublié? Il te faut un système d'allumage robotique. Je démarrerai le vaisseau si tu acceptes d'aider ce commando. Je rêve! Tu me fais du chantage? Ok. Allez, tais-toi et démarre ce vaisseau. Déjà de retour. Oh, c'est à moi que vous parlez! Je n'ai jamais eu l'habitude de parler tout seul, espèce de bouffon. Tu t'es débarrassé d'eux? Ouais! Enfin... j'avais un plan et je pensais... Tu pensais? Tu pensais? C'est moi la tête pensante ici, espèce de mou du cerveau. Mais... Tu devais seulement éliminer ces deux vermines avant qu'ils ne nous causent de vrais ennuis. Mais je Souhaites-tu voulais... Souhaites-tu toujours être le porte-parole mieux payé de ma planète? Oui. Alors la prochaine fois que je te demande quelque chose, fais-le bien! Allez, hors de ma vue! Soldats, si je vous reprends déserté, je vous abats moi-même. Eh, faut arrêter le café, moi. La Ferminus, vous voyez ces bombardiers? Regagnez les tourelles et abattez ces vaisseaux avant que la planète ne soit plus qu'un simple tas de cendres. Retrouvez-moi à l'entrée de la ville. Il a besoin d'aide. Ah ouais? Ben vas-y, toi, si tu veux. C'est encore un piège. Alors allez, vas-y, va casser du méchant. Au moins, je ne suis pas un lâche. Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Je vais te dire, dès que j'ai trouvé Quark, je te vends à la casse. Salut, Mekai. Ça, c'est un bon choix.
Halt ! Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Nous sommes en mission pour sauver la galaxie. Attends, parle pour toi. Et puis baisse les mains, boîte de conserve. T'as l'air complètement ridicule. En fait, je me fiche de qui vous êtes. Je veux juste me tirer d'ici, oui. J'ai intégré l'armée pour payer mes études et je me retrouve au beau milieu d'une guerre. C'est pas croyable, ça. Mais la cause est noble, monsieur. Ouais, tu parles. Moi, je veux juste retourner chez moi. Tenez, je l'ai pris sur un robot en 1000 morceaux. Je veux bien vous l'échanger contre quelques boulons. Merci 1000 fois, hein. Et puis bonne chance pour votre sauvetage. Enfin, votre mission. Mes hommages, cher président suprême Drake. Comme vous le voyez, nous allons tester notre tout dernier aérocasque automatisé. Ce casque permet aux pilotes de contrôler nos plus récents jets à réaction par la seule force de la pensée. En voici d'ailleurs la démonstration. Il nous reste juste quelques petits réglages à effectuer. Wow! Ah, si jamais ils arrivent à faire marcher ce truc comme il faut, faudra vraiment que je m'en trouve un. S'ils travaillent pour le président Drake, ils doivent certainement savoir où il est. Mais ça devient une obsession, ma parole! Drake par-ci, Drake par-là, moi aussi j'ai mes problèmes! Si tu ne vois pas combien cela est important, tu as effectivement des problèmes. Ah ouais? Bah si t'es si malin, comment t'as fait pour tomber dans le piège de Quark, hein? Ah... Allez, laisse béton. On doit aller tous les deux sur cette planète et c'est tout ce qui compte.
sabre est une arme redoutable contre les ennemis les plus coriaces. Tu peux en acheter un chez un vendeur gadgetron de ce monde. Ça bouge pas. Mis à part les armes nucléaires, j'ai tout essayé. Bon, c'est pas grave. Vous laissez pas miner, mon gars. Allez, à plus. Pas si vite, soldat. Vous irez là-dedans même si je dois vous y pousser. Ha-ha! Ce conduit d'aération mène à la plateforme de la tourelle. Soldat, essayez de vous infiltrer dans ce conduit discrètement, sans vous faire remarquer. Vous avez fait preuve de courage pour arriver jusqu'ici, soldat. Cela mérite une bonne récompense. J'ai intercepté ce communiqué qui peut vous être utile. Prenez-le. Je pars retrouver mon bataillon. Bonne chance. Rebonjour, chers amis Blarg. J'espère que vous vous portez bien. Comme beaucoup le savent déjà, notre planète n'est désormais plus habitable. Nous avons perdu nos usines, nos laboratoires et notre douce existence à cause d'une pollution sans précédent, nous forçant à tout abandonner. Heureusement, les planètes voisines nous fourniront tout le nécessaire pour créer une nouvelle terre d'accueil. Et nous touchons presque au but. Une fois que notre scientifique aura trouvé l'orbite idéale, notre nouveau monde sera parfait. Réservez vite votre emplacement. Les meilleurs sont déjà pris d'assaut. Bonne journée. Maintenant, tu comprends pourquoi il faut l'arrêter. Il ne renoncera pas tant que toutes les planètes ne seront pas détruites. Ah ouais? Ben moi, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh, et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Laisse tomber, c'est une expression. Bon, dis-moi, ce commando, il a pas dit qu'on pouvait entrer dans la tourelle? Si, grâce au conduit d'aération. Mais nous ne pourrons pas marcher sur cette surface. Bon, ben moi je vais faire piscine alors. On reviendra plus tard, allez. Il te faut une paire de magnétibots gadgetron pour traverser ce conduit de ventilation. Hélas, nos scanners n'en détectent aucune paire sur cette planète. Salut, Mekai! Ça, c'est de la balle.
Salut, Mekai! Thank you.
J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Ça, c'est de la balle.
J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Ça, c'est un bon choix. Ne peuvent pas grimper, mais tu peux utiliser la commande Entrée pour les envoyer dans les robots téléporteurs.
Les magnétibots te permettent d'escalader des surfaces recouvertes d'un métal spécial. Mais celle-ci semble beaucoup trop grande pour toi. Thank you.
Pourvu que Ratchet ne voit pas celui-ci. Dis donc, tu lâches l'affaire, oui? Elles sont magnétiques. Il m'est difficile de m'en séparer. Ah bon? Oh. Dis donc, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Fil, ferraille, poussière. Non, tu sais ce que je veux dire. Allez, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer, mais promets-moi de rester concentré sur notre mission. Et est-ce que ça concerne Quark? Qui dit ville dit brouillard, qui dit marécage dit boue, et qui dit puits de pétrole dit pétrole. Mais qui dit station de Hawaï dit soleil 24 heures sur 24. Pour explorer les eaux chaudes, nous offrons un masque rendu à nos clients. Découvrez la douceur de la vie marine dans un monde sous-marin bleu azur. Vous pourrez aussi chausser vos palmes gratuites pour participer à une course de natation. Alors venez tous à la station Hawaï pour oublier vos soucis et changer d'air. La station de Hawaii sur Pokitaru. Je le savais. Oh, allez, quoi? Déconnecte tes circuits et lâche-toi un petit peu. Écoute, allez, on y restera juste le temps de dégoter le masque O2, je te promets. Peut-être l'excès d'oxygène aidera-t-il ton cerveau à fonctionner correctement. Et peut-être aussi que l'eau te fera rouiller et que tu la boucleras enfin.